بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 11 من شهر رجب عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس العاشر في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 10 mai 2014 et ceci est le 10e cours que nous allons inshallah commencer dans l'étude de ce livre concernant la biographie du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم intitulé Les chapitres dans la vie du messager, le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. La semaine dernière, nous avons pu lire certaines informations relatives au récit de deux hommes, Iyas ibn Mu'adh et Suwayd ibn Samit. Ce sont deux personnes qui ont rencontré ou qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été invités à l'islam. On a parlé du récit de ces deux hommes. Nous avons également parlé de ces deux tribus qui sont Al-Aous et Al-Khazraj, qui formeront plus tard Al-Ansar, les secoureurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela après avoir parlé du voyage nocturne et de l'ascension du prophète Mohammed alayhi salat wa sallam. Ensuite, nous avons parlé de cette première allégeance prêtée par ces 12 personnes. Parmi les Ansar, certains faisaient partie de la tribu des Aous et d'autres faisaient partie de la tribu des Khazraj. Ces 12 personnes sont venues prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui promettre le suivi, l'aide et le secours. Nous avons vu les noms de ces 12 personnes. Maintenant, nous allons voir le chapitre qui concernera la deuxième allégeance, qui est différente de la première, puisque dans la première, il n'était pas question de bataille, de lutte et de guerre. Et dans celle-ci, il sera question de lutte, de bataille et de guerre, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala. L'imam ibn Kathir, rahimahullah, a dit « Wa kathara al-islam bil madinati wa zahar » ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة مع أنه كان بعد على دين قومه. Ibn Kathir rahimahullah va nous parler de la seconde allégeance. Vous la trouvez dans la page 22. La seconde allégeance de l'Aqaba. L'Aqaba, c'est l'endroit où cette allégeance a eu lieu. C'est Amina. Et c'est une stèle que l'on lapide durant l'accomplissement du pèlerinage. On l'appelle Jamratul Aqaba, la stèle de Aqaba. C'est à cet endroit-là, pendant leur pèlerinage, parce que même avant l'islam, ils accomplissaient le pèlerinage, que ces gens-là ont été rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance. Lorsque l'islam se répandit triomphalement à Médine, Mus'ab ibn Umayr retourna à la Mecque. Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu,
C'est ce jeune homme qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine pour enseigner aux habitants de Médine le Coran, la prière, les règles juridiques relatives aux pratiques religieuses et à la religion d'Allah Azza wa Jal. Mus'ab ibn Umair est donc revenu à Médine après avoir accompli son travail comme il se doit. Quel est ce travail? Appeler les gens à Allah, inviter les gens à l'islam, réformer les gens, corriger les fausses croyances, leur enseigner le Coran, à un point où l'islam s'est propagé. Et comme on l'a vu la semaine dernière, dans le dernier cours, il n'a pas laissé une demeure sans y entrer. Donc il a accompli son travail de prêcheur, il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette année-là, un grand nombre d'ansars, musulmans et polythéistes, vinrent en pèlerinage à la Mecque. À leur tête, Al-Bara ibn Ma'rour. Il y a des femmes qui demandent des livres, mais malheureusement, on n'en a plus. Donc, il faut qu'elles soient patientes. Cette année-là, un grand nombre d'ansars, musulmans et polythéistes, vinrent en pèlerinage à la Mecque. À leur tête, Al-Bara ibn Ma'rour. Cette année-là, l'année de la deuxième allégeance correspondait à la 12e année de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel âge avait-il? Il avait 52 ans. Alayhi salatu wassalam. 2 ans avant que le prophète ne quitte la Mecque, ou plutôt avant qu'il y ait l'émigration de la Mecque vers la ville de Médine. Et toutes ces choses que nous sommes en train de voir sont les éléments qu'on peut considérer comme une introduction à l'émigration. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne quitte la Mecque en compagnie de ses nobles compagnons, il y a eu des introductions qui se sont succédées les unes après les autres, parmi lesquelles cette seconde allégeance prêtée par les compagnons radiyallahu anhum. Ces compagnons sont des gens qui sont venus de la ville de Médine. Et comme on l'a dit, lorsque les habitants de Médine et les habitants d'autres villages et d'autres contrées venaient à la Mecque pour y accomplir le pèlerinage, le prophète alayhi salatu wassalam allait voir ces gens-là et leur exposait l'islam. Il les invitait à l'islam et leur demandait la protection. Qui sont les personnes qui ont accepté de lui accorder la protection? Ce sont les habitants de Médine, ceux qui vont être appelés Al-Ansar et qui ont été appelés ainsi par Allah Azza wa Jal. Al-Ansar, c'est le pluriel de Nasir. Et Nasir, c'est le secoureur. C'est donc le nom qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a donné. Ils sont donc des gens qui doivent être aimés particulièrement parmi les compagnons. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ayatul Iman, Hubbul Ansar. Wa Ayatul Nifaq, Bourdul Ansar. L'indice qui montre la foi, c'est l'amour éprouvé pour les Ansar. Et l'indice qui montre l'hypocrisie, c'est l'animosité éprouvée pour les Ansar. Donc, lors de ce pèlerinage, en l'an 12, non pas de l'émigration, mais de l'envoi du prophète, alayhi salatu wassalam, donc 2 ans avant que ne débute le calendrier islamique, avant l'émigration, des personnes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont venues pour accomplir le pèlerinage. Et dans toutes ces personnes, il y en avait qui voulaient adhérer à l'islam et d'autres qui n'étaient venus que pour le pèlerinage. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit qu'il y avait à la tête de ces hommes un homme que l'on appelle Al-Bara ibn Ma'rour, qui est d'ailleurs devenu un compagnon radiyallahu anhu. Dans le premier tiers de la nuit, à l'endroit Al-Aqaba, 73 hommes et 2 femmes parvinrent à se rendre discrètement, craignant les représailles des leurs et celles des mécréants de la Mecque auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, Ibn Kathir nous enseigne combien étaient ces gens. Il y avait donc 73 hommes qui étaient accompagnés de 2 femmes. Et ce qui fait donc un total de 75 personnes.
Ce sont des gens qui sont venus avec un groupe de gens nombreux. Mais tous ces gens n'étaient pas venus pour l'islam. La plupart étaient venus pour le hajj qu'ils accomplissaient à l'époque. Et ces 75 personnes avaient l'intention d'adhérer à l'islam. Donc ils ont cheminé avec les autres. Et quand ils sont arrivés, ils ont attendu la nuit. Ils ont attendu le premier tiers de la nuit. Et les savants disent que cette nuit était la 12e nuit des nuits que l'on appelle Ayyam al-Tashriq, les jours du Tashriq. Les jours du Tashriq, ce sont le 11, le 12 et le 13 du mois de Dhul-Hijjah, du mois du pèlerinage. Et on les a appelés comme ça, car ce sont les jours qui viennent juste après le 10e, qui est Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Et le mot Tashriq en arabe, c'est le fait de prendre de la viande que l'on a sacrifiée la veille pour la laisser sécher au soleil. Et ensuite, elle peut être conservée très longtemps. Et les Arabes de l'époque, quand ils accomplissaient le pèlerinage, le 11, le 12 et le 13 de ce mois de Dhul-Hijjah, qui sont les trois jours qui viennent tout de suite après le jour du sacrifice du mouton, faisaient sécher leur viande au soleil. Donc le 12e jour, c'est-à-dire le deuxième de ces trois jours, ces 75 personnes sont venues la nuit discrètement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de lui prêter allégeance. Et cette deuxième allégeance a été appelée Bay'atul Harb, l'allégeance de la guerre. Pourquoi ? Nous avons vu dans la première qu'ils se sont engagés à suivre, à obéir, à ne pas voler, à ne pas adorer un autre qu'Allah, Azza wa Jal, à ne pas forniquer, mais il n'était pas question de combat. Alors que dans cette deuxième allégeance, il va être question de combat. Donc ils se sont engagés d'apporter leur secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va faire naître des batailles et des combats qu'on va étudier, inshallah, une par une par la suite. Et c'est d'ailleurs l'imam Ahmad rahimahullah qui rapporte que le noble compagnon Ubada ibn Samit radiyallahu anhu a nommé cette allégeance Bay'atul Harb, l'allégeance de la guerre. Et c'est après cette allégeance, comme on va le voir, que les compagnons ont émigré, qu'ils ont quitté la Mecque pour se rendre dans la ville de Médine. L'imam al-Dhahabi rahimahullah, dans son livre Tarikh al-Islam, l'histoire de l'islam, a cité le nom de ces 75 personnes. Nous, ce qui nous importe ici, c'est de savoir que il y avait ces personnes qui étaient 75 et qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette allégeance a une importance particulière dans l'islam. Et ceux qui étaient présents durant celle-ci ont un rang spécial chez Allah Azza wa Jal. À un point où l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, a rapporté dans l'histoire du repentir de Ka'b ibn Malik, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui faisait partie de ses poètes, que Ka'b a dit « لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن ألي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر عند الناس منها. Ka'b ibn Malik dit, et certes, j'ai assisté en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'allégeance la nuit de Al-Aqaba, c'est-à-dire la nuit où ils ont prêté allégeance, lorsque nous nous sommes tous engagés à suivre l'islam. Et en aucun cas, que lui, il n'était pas présent à la bataille de Badr. Il dit, en aucun cas je n'aurais aimé avoir à la place de cette nuit la bataille de Badr. C'est-à-dire, si je devais choisir entre la présence lors de la bataille de Badr et la présence lors de l'allégeance, en aucun cas je ne choisirais la bataille de Badr, bien que cette bataille est plus connue chez les gens. Pourquoi ? Parce qu'ici, ce sont les débuts de l'islam.
ce sont les premières allégeances qui vont être d'un rôle crucial dans l'avenir de l'islam. C'est pour ça qu'il a dit, je ne préfère en aucun cas choisir Badr à cette allégeance. Et on va voir que tout de suite après avoir prêté allégeance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tout de suite demandé la permission au prophète, alayhi salatu wa sallam, de combattre les associateurs, les ennemis. Donc Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit, ils lui prêtèrent allégeance, s'engageant à le défendre comme ils défendent leurs propres femmes et leurs propres enfants. Le premier cette nuit-là à faire allégeance fut Al-Bara ibn Ma'rour. Qui est-il? C'est celui qui est à la tête du groupe qui est venu se rendre pour l'accomplissement du pèlerinage. Qui avant tout les autres eut l'honneur de prêter serment de la manière la plus solennelle. Et dans l'islam, il y a un mérite pour la personne qui est la première à faire un bien. Ici, le premier à avoir prêté cette allégeance, c'était Al-Bara ibn Ma'rour, radiyallahu anhu. En outre, montrant tout le caractère solennel de l'allégeance, était présent cette nuit-là l'oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam, Al-Abbas, qui pourtant suivait encore le culte de son peuple idolâtre. Al-Abbas, radiyallahu anhu, était l'oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam. À cette époque, il n'était pas musulman, il le deviendra plus tard. Mais comme on l'a vu à travers les cours précédents, il y avait des gens qui apportaient leur secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une cause religieuse. Ce sont des musulmans qui veulent soutenir l'islam. Et il y a d'autres personnes qui apportent leur soutien au prophète alayhi salatu wa sallam, non pas pour une question religieuse, mais simplement pour une question de fanatisme au clan et à la tribu, parce qu'il fait partie de la même tribu. Et ce fut le cas de Abu Talib, toute sa vie qui a secouru le prophète, alayhi salatu wassalam, sans pour autant être musulman. Il ne l'a pas secouru pour secourir l'islam, mais pour défendre son clan et sa famille. Ici, Al-Abbas, à ce moment-là, apporte ce soutien, non pas pour l'islam, mais parce que le prophète est son neveu. Donc, il se présente et il regarde. Est-ce que vraiment vous allez respecter cette allégeance? Est-ce que vraiment vous allez tenir votre promesse et vous allez la mettre en pratique? Donc, Ibn Kathir rahimahullah dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, désigna parmi eux 12 chefs. Et c'est ce que nous allons lire par la suite. Incha'Allahu tabaraka wa ta'ala. Nous avons vu que ces gens-là ont demandé la permission au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'aller combattre les associateurs. Mais comme on va le voir, à cette période-là précisément, ils n'avaient pas encore l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala de les combattre. Ils n'avaient donc pas le droit de s'engager dans une chose qui n'est pas demandée ni par Allah azza wa jal, ni par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui leur était demandé, c'était la préparation et la patience jusqu'à l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller au combat. Ibn Kathir dit: واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا وهم أسعد بن زرارة بن عدس وسعد بن الربيع بن عمر وعبد الله بن رواحة بن مري القيس ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء وعبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه وسعد بن عبادة بن دويل وسعد بن عبادة بن دليم والمنذر بن عمرو بن خنيس وعبادة بن الصامت فهؤلاء 9 من الخزرج ومن الأوس 3 وهم أسيد بن الحضير بن سماك وسعد بن خيثمة بن الحارث ورفاعة بن عبد المنذر بن زبير وقيل بل أبو الهيثم ابن تيهان مكانه ثم الناس بعده والمرأتان هما
أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمر التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة فلم يأذن لهم في ذلك. Maintenant Ibn Kathir rahimahullah va nous citer ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a choisi pour ces gens-là des chefs. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam désigna cette nuit-là parmi eux 12 chefs. Et ensuite il nous cite les noms de ces derniers. As'ad ibn Zurara ibn Udas, Sa'd ibn Rabi' ibn Amr, Abdullah ibn Rawaha ibn Am ibn Imri al-Qais, رافع بن مالك بن العجلان البراء بن معرور بن صخر بن خنساء عبد الله بن عمر بن حرام le père de Jabir. Jabir est un noble compagnon qui s'était converti cette nuit-là, mais aussi Sa'd ibn Ubadah ibn Dulaym et Al-Mundhir ibn Amr ibn Khunais et Ubadah ibn Samit. À ces neuf hommes de la tribu des Khazraj s'ajoutèrent trois autres parmi eux au Aous. Donc, ces 12 hommes étaient composés de 9 parmi la tribu des Khazraj et 3 des Aous. Usayd ibn al-Hudayr ibn Simak, Sa'd ibn Khaythama ibn al-Harith, Rifa' ibn Abd al-Mundhir ibn Zubayr. Néanmoins, d'autres mentionnent à la place de ce dernier le nom de Abu al-Haytham ibn Tayyihan. Quant aux deux femmes qui prêtèrent serment d'allégeance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la première d'entre elles est Ummu Umara, Nusayba. Dans certaines écritures, on nous dit Nusayba et dans d'autres, Nasiba. Quoi qu'il en soit, c'est la même femme. Nusayba bint Ka'b ibn Amr, celle dont le fils Habib ibn Zayd ibn Asim ibn Ka'b tuera Musaylima. Il y a une faute du traducteur. Ce n'est pas ça qui a été dit dans le livre. Cet homme n'a pas tué Musaylima, c'est plutôt Musaylima qui l'a tué. Donc ça, c'est une chose, corrigez-la avec vos stylos. Quand le traducteur a traduit et a dit « Celle dont le fils Habib ibn Zayd ibn Asim ibn Ka'b tuera Musaylima », vous barrez « tuera » et vous écrivez « sera tué par Musaylima ».« Sera tué par Musaylima ». La seconde est Asma bint Amr ibn Ali ibn Nabi. Après avoir tous prêté allégeance, ils demandèrent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de s'attaquer aux mécréants qui se trouvaient à cet endroit à l'Aqaba. Mais celui-ci n'accéda pas à leur requête. Donc, ici, l'imam ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous cite le nom de ces 12 personnes qui ont été désignées comme chefs de ces 75 personnes qui sont venues prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après nous avoir cité le nom de ces personnes, il nous parle de ces deux femmes. La première, c'est Asma bint Amr ibn Adi. C'est plutôt la deuxième qu'il a citée. Cette femme, c'est la mère de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu an. Mu'adh ibn Jabal, a'lamu sahaba fil fiqh, fil halal wal haram. Le plus savant des compagnons dans le domaine du licite et de l'illicite. Des règles relatives à ce qui est permis et ce qui est interdit. Ensuite, la première qu'il a citée, Ummu Umara, c'est la mère de Habib ibn Zayd qui a été assassiné par Musaylama dans une histoire. Musaylama est un homme qui a prétendu à la prophétie du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un homme qui avait une armée et des soldats. Il avait des moyens physiques et financiers. Il est allé voir les gens de l'époque pour leur dire « Je suis un messager d'Allah »
sallallahu alayhi wa sallam, je suis envoyé avec Mohammed. Nous deux, on a été envoyés par Allah, Azza wa Jal. Et il a même écrit une lettre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire, « Ya Mohammed, je suis un prophète et je suis avec toi. On a la même mission. On est ensemble. » Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a pris la lettre de Musaylama, et sur sa lettre, il avait écrit « Min Musaylama Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah ». Cette lettre est de la part de Musaylama, le messager d'Allah, à l'intention de Muhammad, l'autre messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa sallam a pris cette lettre, la feuille, il l'a retournée et il a écrit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim min Muhammadin Rasulillah ila Musaylama al-Kadhab ». Cette lettre provient de Muhammad, le messager d'Allah. Elle s'adresse à Musaylama, le grand menteur. Et dedans, il lui a répondu, il lui a dit qu'il n'est pas un prophète et qu'il ne croit pas en lui, et ainsi de suite. Musaylama avait des espions. Il envoyait ses espions dans les rangs des musulmans, voir comment est-ce qu'ils se comportaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et lorsque ces espions se sont rapprochés des musulmans et ont rencontré le fils de Ummu Umara, qui est Zayd ibn Habib ibn Zayd, radiyallahu anhu, ils l'ont attrapé, ils l'ont apporté chez Musaylama. Musaylama qui avec ses armes, le chef d'une tribu. Le fils arrive, Habib ibn Zayd arrive, il rencontre Musaylama. Musaylama lui dit, « Atashhadu anna Muhammadan Rasulallah, attestes-tu que Muhammad est le messager d'Allah ?» Et lui répond, « Na'am, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. » Oui, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Et alors, Musaylama lui dit, « Atashhadu anni Rasulullah. » Attestes-tu que moi aussi je suis un messager d'Allah ? Et Habib ibn Zayd lui répond, « Ana asam, je suis sourd. Je n'entends rien de ce que tu dis. » Musaylama lui dit, est-ce que tu attestes que Mohammed est le messager d'Allah? Il lui dit, oui, j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Ensuite, il lui dit, est-ce que tu attestes que je suis aussi le messager d'Allah? Il lui dit, excuse-moi, je suis sourd, je n'entends pas ce que tu dis. Et il n'a pas menti. Quand il dit, il n'entend pas, c'est-à-dire, il ne veut pas entendre ce mensonge. Car son oreille de compagnon, qui est une oreille pure, ne peut entendre que ce qui est vrai. Et ne peut accepter que ce qui est vrai. Suite à ça, Musaylama, qu'Allah le combatte, a assassiné Habib ibn Zayd et il l'a d'ailleurs décapité. Wal'iyadhu billah. Et avec cette histoire, tu vois bien que le traducteur a fait une faute. Mais la faute arrive. Et d'ailleurs, si quelqu'un peut leur envoyer un mail et leur signaler cette faute, Allah le récompense, inshallah. Et donc, c'est donc lui qui a été assassiné. Sa mère, Ummu Umara, a aussi des histoires. C'était une femme. Non, c'est bon comme ça, j'aime bien. Elle a eu des histoires particulières durant le combat où les musulmans se sont opposés à Musaylama. À un point où elle en est sortie avec un nombre considérable de blessures dans son corps. Qu'Allah l'agré. Qu'Allah l'agré et lui donne ce qu'elle mérite comme récompense. Donc voici ce qu'il en est de ces personnes, notamment de ces deux épouses. Et quand le matin est arrivé, cette rumeur que des gens se sont convertis à l'islam s'est propagée rapidement. Et elle est arrivée dans les oreilles des habitants de Quraysh. Quraysh qui sont les pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils entendent que la nuit passée, des gens se sont convertis à l'islam, parmi ceux qui sont arrivés de la ville de Médine pour le Hajj. Les gens de Quraysh sont allés immédiatement voir cette délégation, ces gens qui sont arrivés de Médine pour le Hajj. Et alors, ils ont demandé, est-ce vrai cette information qui est véhiculée? Est-ce que parmi vous des gens se sont convertis à l'islam la nuit passée? Et donc ici, il y a une grande foule de personnes. Dans ces personnes, il y a les musulmans et il y a les mécréants qui ne savent pas qu'avec eux, la nuit passée, des gens se sont convertis à l'islam. Et donc, les musulmans se taisent et ce sont les autres parmi les kuffars qui répondent et qui disent jamais.
Ce n'est pas vrai. Personne ne s'est converti la veille à l'islam. Et les musulmans se regardent les uns les autres et se taisent. Ils laissent les autres répondre à leur place. Et ceux qui répondent ne savent pas qu'il y a avec eux 75 personnes qui sont devenues croyantes et qui ont même prêté allégeance au prophète alayhissalatu wassalam et qui ont même demandé au prophète alayhissalatu wassalam de combattre les gens le matin, c'est-à-dire le lendemain. Et cela fait partie de la planification qui émane de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous allons lire la suite de ce qu'a dit Ibn Kathir rahimahullah. بل أذن بعدها للمسلمين من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة فبادر الناس إلى ذلك فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد هو وامرأته أم سلمة فاحتبست دونه ومنعت سنة من اللحاق به وحيل بينها وبين ولدها ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن طلحة ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة فالله أعلم ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. ابن كثير رحمه الله تعالى dit: En revanche, après cette allégeance, il permit aux musulmans de la Mecque d'émigrer à Médine. Ce qu'ils s'empressèrent de faire. Le premier des Mécois à émigrer fut Abu Salama ibn Abd al-Asad, accompagné de son épouse Umm Salama. Mais cette dernière fut retenue par les polythéistes une année entière à la Mecque, où elle fut même séparée de son fils. Enfin, elle put rejoindre avec son fils son époux à Médine, accompagné de Uthman ibn Talha, Baré Abi. Uthman ibn Talha. Toutefois, certains affirment qu'Abu Salama émigra à Médine avant la seconde allégeance d'Al-Aqaba. Mais Allah en est mieux informé que quiconque. Puis les musulmans quittèrent la Mecque par groupes successifs. Ibn Kathir rahimahullah nous parle de ce qui s'est passé juste avant de quitter la ville de la Mecque pour rejoindre celle de Médine. Cet événement de la plus haute importance dans toute l'histoire de l'islam, al-hijratun nabawiyya min Mecca ila al-Madina, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'immigration des musulmans et des musulmanes de la Mecque jusqu'à Médine. Juste après cette deuxième allégeance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'autorisation aux musulmans, aux croyants qui voulaient secourir leur religion, qui voulaient s'attacher à leur dogme, au tawhid, à l'aqida pure, qui voulaient se conformer aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui voulaient en faire un mode de vie, qui voulaient ne vivre que attachés à Allah azza wa jal. Ces gens-là qui avaient cette conviction forte dans le cœur, avaient besoin de se déplacer, parce qu'ils se trouvaient dans un endroit où l'atmosphère ne leur permettait pas de mettre en pratique, de mettre en avant leurs pratiques religieuses. Tout cela dans le but de sauver la mise en pratique de la parole « La ilaha illallah ». Le fait de se séparer des polythéistes, des associateurs, des mécréants, des ennemis d'Allah, Azza wa Jal. Le fait de ne pas rester avec ceux qui obstruent au chemin d'Allah, avec ceux qui barrent la route au monothéisme, qui barrent la route à la croyance correcte. Pour toutes ces choses-là, les musulmans ont reçu l'autorisation d'Allah, Azza wa Jal, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de quitter la Mecque, ce village qui est leur village natal, où ils y ont tous leurs repères. Leur commerce est à la Mecque, leur tribu est à la Mecque, leurs familles sont à la Mecque, leurs proches sont à la Mecque. Ils doivent quitter la Mecque et aller à Médine
dans un endroit qu'ils ne connaissent peut-être pas, pour rencontrer des gens qu'ils ne connaissent pas, pour se réadapter dans une nouvelle ville, pour faire des nouvelles choses. Ils ont accepté pour Allah, Azza wa Jal, de changer de vie. Ils ont accepté pour Allah, Tabaraka wa Ta'ala, de changer de lieu, de quitter leur famille. Certains ont abandonné tout leur argent. D'autres ont abandonné leur famille, parmi lesquels cet homme dont nous allons parler, Inch'Allah. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, il y a Suhayb al-Rumi, radiyallahu anhu. Suhayb al-Rumi, c'est un noble compagnon qu'on appelle Suhayb le Romain. Et les gens croient qu'il est Romain, mais il n'est pas Romain. C'est un Arabe pur. Mais il a été enlevé quand il était jeune par les Romains. Et il a grandi chez eux. À un point, il a pris leur langue. Et il a perdu un peu de l'arabe. Et quand il parlait l'arabe, il avait l'accent des Romains. Et alors, on lui a donné ce surnom, Suhayb al-Rumi. Quoi qu'il en soit, il faisait partie des gens qui maîtrisait le plus le tir à l'arc. C'est-à-dire que quand il lançait une flèche, il visait presque tout le temps, il atteignait presque tout le temps son but. Et quand les koufars de Quraysh ont appris qu'il a voulu quitter la Mecque pour rejoindre les sahaba à Médine, pour rejoindre le prophète, alayhi salatu wassalam, car lui il a émigré après le prophète, alayhi salatu wassalam, les koufars de Quraysh ont empêché ce dernier de quitter la Mecque. Et ils faisaient la garde autour de sa maison. Radiallahu anhu. Alors une nuit, il a simulé une maladie. Il sortait de la maison, il allait dans l'endroit pour accomplir les besoins et il faisait des va-et-vient et des allers-retours. Jusqu'à ce que les gardes qui étaient censés l'empêcher de quitter la Mecque ont pensé qu'il était malade. Alors ils ont dit, ça ne sert à rien de le surveiller, il est malade. Il accomplit ses besoins à cause d'une maladie. Ils ont arrêté de le surveiller. Il a pris son carquois, la boîte où il y a toutes les flèches, il l'a rempli de flèches avec un arc et il s'est sauvé en direction de Médine. Le matin, le peuple de Quraysh a remarqué qu'il a disparu. Ils se sont précipités immédiatement à ses trousses pour le rattraper en chemin. Quand ils l'ont rattrapé en chemin, ils l'ont empêché d'avancer et ils lui ont dit « Kunta fina su'lukan fa asbahta ghaniyan » Tu étais clochard quand tu étais arrivé. Tu n'avais rien, tu étais besogneux, tu étais pauvre. Tu t'es enrichi ici et tu crois qu'on va te laisser sortir de la Mecque avec l'argent que tu as gagné chez nous. Car quand il est arrivé à la Mecque, il s'est associé à un Mécois et il a commercé. Et Allah lui a donné des richesses. Il a dit, c'est vraiment mon argent qui vous importe? Si je vous donne l'endroit où je cache tout mon argent et tout ce que j'ai gagné, vous me laissez partir? Et ils ont dit oui. Il leur a dit, allez à tel et tel endroit et vous trouverez mon argent. Prenez-le et laissez-moi rejoindre le prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il a sorti son arc. Et il a dit, regardez, mon carquois est plein de flèches. Et vous savez très bien que je suis parmi vous celui qui vise le mieux. Et par Allah, tous ceux qui vont s'approcher de moi vont recevoir ma flèche jusqu'à ce que mon carquois se vide. Prenez mon argent et laissez-moi partir. Ils sont allés voir la cachette pour s'apercevoir que son argent y était bel et bien. Ils sont revenus et l'ont laissé partir. Et il a voyagé de la Mecque jusqu'à Médine. Et en route, il était pris par la fatigue, il s'arrêtait, il s'allongeait, il se reposait. Et quand il se mettait à l'esprit qu'il allait bientôt retrouver le prophète, alayhi salatu wassalam, il se levait plein de force et il continuait. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à Quba. Et le prophète y était, alayhi salatu wassalam. Le prophète l'a vu venir de loin et il lui a dit, « Rabih al-bay' Aba Yahya ». Il a dit, oh Abu Yahya, qui est sa kunya, tu as réussi ton commerce. Tu as réussi ton commerce. De quel commerce est-ce qu'on parle? Il a laissé tous ses biens, tout son argent, pour suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jal a révélé le verset, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَأُوفُ بِالْعِبَادِ. Et parmi les gens,
il y a des gens qui ont vendu leurs âmes à la recherche de la satisfaction d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit « Nazalat hadhil aya fi Abi Yahya ismuhu Suhaib radiyallahu anhu » Ce verset a été révélé concernant Suhaib al-Rumi Abu Yahya radiyallahu anhu. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam a accordé l'autorisation aux musulmans de quitter la Mecque. Donc vous voyez ici que l'hijra, c'est-à-dire l'émigration, est une grande adoration. Et donc, toute personne qui cherche à faire fuir les gens de cette adoration qui est l'hijra, est une personne qui n'a rien à voir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. On ne dit pas que c'est une personne qui n'est pas musulmane, mais ce n'est pas une personne qui marche sur les traces des sahaba radiyallahu anhum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'autorisation aux musulmans de quitter la Mecque. Le premier des musulmans qui a quitté la Mecque fut Abu Salama, accompagné de son épouse Ummu Salama. Ummu Salama, quand elle va perdre son mari, elle va épouser qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va donc devenir une des meilleures croyantes, une des mères des croyants et des musulmans. Ummu Salama radiyallahu anha faisait partie de la tribu des Banu Mourira. Et son époux faisait partie de la tribu de Abdul Asad. Et lorsqu'ils ont décidé d'émigrer vers la Mecque, la tribu des Banu Mourira est venue. Et ils ont dit à Abu Salama, et c'est de ça qu'il nous parle quand il nous dit qu'elle a été séparée de son époux et ensuite de son fils, ils sont venus voir Abu Salama et lui ont dit « Tu as le droit de partir. Tu es libre et tu fais ce qu'il te plaît. Mais cette fille, elle vient de nous. Et il est hors de question que tu prennes notre fille et tu t'en ailles avec elle. Alors on la garde. » Abu Salama radiyallahu anhu a laissé sa femme avec son fils dans sa tribu et il est parti. Il est parti. Radiyallahu anhu. Ensuite, la tribu de Banu Mourira a empêché cette femme, Ummu Salama, de quitter la Mecque pour aller à Médine pendant une année complète. Et alors, les gens de la tribu de son mari, les gens de la tribu de Banu Abdel Asad, sont venus voir les Banu Mourira pour lui dire « Vous avez pris votre fille ? D'accord, mais l'enfant il est à nous. » Parce que l'enfant il est plus proche du père, c'est-à-dire l'enfant il est apparenté à son père dans le nom, dans la lignée. Donc vous devez nous le rendre. Et ils se sont disputés. Jusqu'à ce qu'ils ont réussi à prendre l'enfant. Et donc là maintenant on a Abu Salama qui est à Médine, on a Ummu Salama qui est restée à la Mecque, elle n'est plus avec son mari et maintenant on est venu lui prendre son enfant. Et tout cela a duré un an. Un an après, un homme est venu intercéder en sa faveur. Et par sa cause, elle a récupéré son enfant et elle a eu l'autorisation de quitter la Mecque pour rejoindre les compagnons et son mari Abu Salama à Médine. Et quand elle a décidé de s'en aller, dans son histoire, elle est rapportée par Ibn Ishaq, rahimahullah, elle est montée sur le chameau avec son bébé. Et elle a commencé à cheminer en direction de la Mecque. Elle est arrivée à Tan'im, en direction de Médine. Barakallahu fik. Elle est arrivée à Tan'im, la mosquée qu'on appelle la mosquée de Aïcha, radiyallahu anha. Quand un homme est arrivé, cet homme s'appelle Uthman ibn Talha. Et il lui a dit, « Ila ayn, où vas-tu ? » Elle lui a dit, « Ila madinati rasulillah, alayhi salatu wassalam, ila zaoudi. » Je vais rejoindre mon mari dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, la trukuki wahdak.
وصاحبك سبحان الله وكان كافرا آنذاك. Il n'était pas croyant. C'était un mouchrik de Quraysh. Mais il n'a pas accepté qu'une femme accompagnée d'un bébé se rende à Médine toute seule et fasse ce long voyage. Il lui a dit, je ne peux pas te laisser seule. Je ne peux pas te laisser seule, je vais t'accompagner. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a pris son chameau et il marchait devant et elle derrière le suivait sur son chameau avec son fils. Et le voyage a duré presque 2 semaines. Et les gens qui racontent l'histoire disent que, subhanallah, cet homme-là, et on ne sait pas si, ala kulli hal, cet homme-là, quand il était en route et qu'il la nuit tombait pour se reposer, il s'arrêtait, il arrêtait le chameau de la femme sans se rapprocher d'elle. Ensuite, elle partait dans un coin pour se reposer. Lui, il prenait son chameau, il l'attachait et il allait loin pour se reposer. Et quand le matin arrivait, il se levait et il venait à côté d'elle faire du bruit pour qu'elle se réveille. Elle montait sur son chameau et il partait comme ça jusqu'à être arrivé à Quba, à l'entrée de Médine. Quand ils sont arrivés à l'entrée de Médine, il a dit à cette fille, à cette femme, voici la ville où est ton messager, ton prophète et ton mari, entre-y avec les bénédictions d'Allah. Et il a fait demi-tour, il est reparti à la Mecque. Allahu Akbar. Le service qu'il a rendu à cette femme, alors qu'il n'était pas croyant. Et les savants ont dit qu'il y avait chez ces gens-là des qualités, comment on peut dire, louables. Il y avait beaucoup de bonnes qualités chez ces gens-là. Regardez le service qu'il a rendu à cette femme, alors qu'il n'était même pas croyant. En plus de ça, la pudeur qu'il avait, et dont il a fait preuve, 2 semaines, seul avec une femme, personne ne le voit, et pourtant il s'éloigne d'elle. Sa mission, c'est que de lui rendre un service. Il termine sa mission, il fait demi-tour, il s'en va. Il ne trahit pas le dépôt. Il ne trahit pas la confiance qu'on lui a donnée. Que dire alors aujourd'hui de gens qui sont musulmans et qui n'ont pas ces qualités? Et c'est chez Allah Azza wa Jal que on doit se plaindre. Et ensuite, mais sachez une chose, c'est que ces bonnes choses que l'on voit de ce peuple de Quraysh et d'autres gens parmi les associateurs, les polythéistes et les kuffars, ne leur seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Les bonnes actions que les kuffars font leur seront utiles de leur vivant, mais pas dans l'au-delà. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand un kafir fait un bien, Allah lui rend un bien dans ce bas monde. Mais comme il n'est pas croyant, Allah ne lui donne pas la récompense que le croyant souhaite, parce que lui-même n'est pas croyant. Et ça montre la justice parfaite d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Et donc, suite à ça, les musulmans se sont succédés les uns après les autres dans l'émigration dans la ville de Médine pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est donc le chapitre dans lequel nous allons entrer. Qala rahimahullah faslun hijratu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Walam yabqa bimakkata minal muslimin illa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما أقام بأمره لهما وإلا من اعتقله المشركون كرها وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا متى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرصدوا على الباب أقواما إذا خرج عليهم قتلوه فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد وقد جاء في حديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلى وقد استأجر عبد الله ابن أريقت وكان هاديا خريتا ماهرا بالدلالة
إلى أرض المدينة وأميناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث فلما حصل في الغار عم الله على قريش خبرهما فلم يدروا أين ذهبا وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر وكانت أسماء ابنة أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: l'émigration du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'hijra des musulmans ne demeura bientôt à la Mecque que le messager d'Allah alayhi salat wa salam, Abu Bakr et Ali radiyallahu anhuma. C'est-à-dire qu'ici on nous explique que les compagnons ont quitté la Mecque les uns après les autres. Et il ne restait des musulmans que le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Il y avait aussi les musulmans qui étaient contraints de rester à la Mecque par les associateurs, qu'Allah les agrée, qui sur ses ordres n'émigrèrent pas, ainsi que les musulmans qui en avaient été empêchés par les polythéistes. Abu Bakr, pour sa part, avait préparé son départ, ainsi que celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, attendant uniquement qu'Allah le Tout-Puissant autorise son messager à quitter la Mecque. Abu Bakr radiallahu anhu est parti acheter deux chameaux et sur chaque chameau il y a mis la selle sur laquelle on monte, la nourriture, les vivres, les provisions, tout ce qui est nécessaire à ce voyage. Et il avait, arrêté ces deux chameaux dans un endroit en attendant ce qu'Allah Azza wa Jal va décider. Et à chaque fois, il allait voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et il lui disait, « As-suhbata ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ta compagnie, c'est-à-dire, je veux être en ta compagnie quand tu vas quitter la Mecque. » Et ça, c'est un des plus grands mérites de Abu Bakr radiyallahu anhu. C'est le plus grand des sahaba des compagnons. Car il est celui qui a accompagné le prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'au jour où Allah Azza wa Jal leur a donné la permission, c'est ce qu'on va voir bientôt, Inch'Allah. Une nuit, les polythéistes décidèrent d'assassiner traîtreusement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un groupe d'entre eux se met donc en embuscade devant sa porte, attendant sa sortie afin de pouvoir mettre leur plan à exécution. Mais lorsqu'il quitta sa demeure, nul d'entre eux ne le vit, à cause, dit un hadith, de la terre qu'il jeta sur la tête de chacun d'entre eux. Ce hadith, ضعيف. Al-qissa hadihi, annahu rama alayhim turaban, qissatun ضعيفa la tathbut. Ce hadith, cette histoire où on dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a lancé sur les yeux de la terre et qu'avec celle-ci, ils ont été aveuglés, ils n'ont pas aperçu le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une histoire qui est infondée. Elle a été rapportée, certes, par Ibn Ishaq, rahimahullah, mais il n'a pas rapporté la chaîne de transmission qui permet de voir si elle est authentique ou non. Et quand une histoire est apportée sans être accompagnée de sa chaîne de transmission, elle est jugée faible par les savants du hadith, elle n'est donc pas à prendre en compte. Mais ce qu'on sait de manière sûre, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de quitter la Mecque et a reçu l'autorisation d'Allah, il s'est préparé à le faire. Et les koufars de Quraysh avaient ce pressentiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait bientôt prendre la fuite. Ils ont donc décidé de venir discrètement devant chez lui pour l'assassiner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui et a quitté la Mecque devant les koufars et ils ne l'ont pas vu. Allah Azza wa Jal les a aveuglés. Mais ce n'est pas avec la terre comme il est dit ici. Et comme l'ont souligné les savants du hadith. Ensuite, Ibn Kathir rahimahullah dit: puis il se rendit chez Abu Bakr avant de sortir de nuit avec ce dernier par une lucarne de sa maison.
Les deux hommes louèrent les services de Abdullah ibn Urayqit. Cet homme-là, Abdullah ibn Urayqit, était un homme qui était doué. Il connaissait tous les chemins à cette époque des déserts. Il connaissait tous les chemins les plus courts, les plus longs, où se cacher, où marcher, où s'arrêter, où se reposer, où est-ce qu'il y aura de l'ombre, où est-ce que le soleil frappe. Il connaissait tout cela en détail. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, est allé le voir avec Abu Bakr et il lui a, monnayant quelque chose, proposé de lui indiquer le chemin à suivre pour rejoindre la ville de Médine. Cet homme-là, Abdullah ibn Urayqit, n'est pas musulman. Et on ne sait même pas, on n'a aucune information nous disant qu'il est devenu musulman. Donc, il a accepté. Et eux, quand ils donnent leur parole, ils la tiennent. Il ne va pas le dénoncer à Quraysh. Il ne va pas dire à Quraysh, « Oh Quraysh, il y a avec moi Mohammed, venez l'attraper. » Il a donné sa parole, il va la tenir jusqu'à les amener jusqu'à la ville de Médine. Un habile guide et un fin connaisseur des routes menant à Médine, bien qu'il s'adonnait, comme son peuple, au culte des idoles, les deux hommes lui confièrent donc la tâche de les mener à Médine, ainsi que la garde de leur monture. Ils lui fixèrent le rendez-vous du départ dans la grotte de Thawr, après une période d'attente de 3 jours. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ces 2 chameaux à Abdullah ibn Urayqit, et il lui a dit de s'éloigner un peu de temps. Il est allé dans cette montagne on l'appelle Thawr, c'est une montagne de la Mecque. Et en haut de cette montagne, il y a une grotte. Là. Si, naam. En haut de cette montagne, il y a une grotte. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il s'y est caché. Pourquoi? Parce que quand il sait que quand les associateurs vont savoir qu'il a quitté la Mecque et qu'il chemine vers Médine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux aussi, ils vont cheminer vers Médine. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il leur fait croire qu'il est parti, il reste dans une grotte pendant 3 jours. Comme ça, pendant 3 jours, ils vont chercher, ils vont dire il n'y a rien, ça sert à rien. Ils vont faire demi-tour. Et c'est ça que le prophète faisait, alayhi salatu wa salam. Et aussi dans ses batailles, quand il partait en expédition militaire, Razwa, et qu'il allait dans un endroit, il savait que les kuffars avaient des espions. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il simulait qu'il allait dans une autre direction. C'est-à-dire que si par exemple il prenait cette direction vers l'avant, comme il savait que les kuffars avaient des espions, il partait vers l'arrière. Et quand il arrivait derrière une montagne, il faisait demi-tour et il revenait jusqu'à arriver à l'endroit où il voulait. Et ici le peuple de Quraysh a cru que le prophète est parti, alayhi salatu wa salam. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs chevaux, leurs chameaux, leurs hommes et ils se sont mis à rechercher le prophète, alayhi salatu wa salam, avec Abu Bakr. Et le prophète a donné rendez-vous à cet homme-là, Abdullah ibn Urayqit, le connaisseur de la route, dans 3 jours. Le temps un peu de fatiguer le peuple de Quraysh. Lorsqu'ils trouvèrent refuge dans la grotte, Allah Azza wa Jal fit en sorte que la tribu de Quraysh perde toute trace des deux hommes. Ensuite il dit, Amr ibn Fuhayra le rapportait le soir des brebis appartenant à Abu Bakr, alors qu'Asma, la fille d'Abu Bakr, le rapportait des vivres dans la grotte. Donc il y avait des gens qui étaient de mèche avec eux et qui les aidaient, afin qu'ils puissent manger, qu'ils puissent se préparer de la meilleure façon à cette émigration. Quant à Abdullah, le fils de Abu Bakr a des enfants. Il a Aisha, il a Asma, il a Abdullah, il a Abdurrahman. Quant à Abdullah, le fils d'Abu Bakr, il prêtait l'oreille à ce qui se disait à la Mecque, dont il informait les deux hommes qui alors pouvaient être sur leur garde. Je vais lire la suite. Naam. Pouvaient être sur leur garde. Allahu Akbar, j'ai perdu les lignes. Puis les polythéistes à leur trousse grimpèrent le mont Thawr et passèrent devant l'entrée de la grotte au point que leurs pieds furent tout proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon. Mais Allah fit en sorte qu'ils ne découvrent pas l'entrée de la grotte
On dit même, mais Allah en est mieux informé que quiconque, qu'une araignée avait de sa toile fermé l'entrée de la grotte devant laquelle deux pigeons avaient également installé leur nid. Cette histoire également, elle n'est pas authentique. Hein? Ce que vous entendez quand les gens disent « ne tue pas l'araignée parce que l'araignée a sauvé le prophète alayhi salatu wassalam avec sa toile », c'est une histoire qui n'est pas authentique. Comme les savants l'ont souligné, notamment Cheikh Al-Albani rahimallah, et d'ailleurs vous le voyez en bas de la page. Donc Ibn Kathir rahimahullah dit ويقال والله أعلم إن العنكبوت سدت على باب الغار وإن حمامتين عششتا على بابه فذلك تأويل قوله تعالى إن تنصروه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ولما كان بعد الثلاث جاءهما ابن أريقط بالراحلتين فركباهما وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار الديلي أي عبد الله بن أريقط أمامهما على راحلته. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, cet épisode fut d'ailleurs évoqué dans ces paroles d'Allah Azza wa Jal. Si vous ne venez pas à son secours, Allah est déjà venu à son secours lorsque les mécréants l'ayant expulsé, il se trouvait avec un homme, avec un autre homme dans la grotte. Il dit alors à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa quiétude, l'appuya d'armée que vous ne pouviez voir, jeta bas la parole des mécréants et éleva sa parole, car Allah est tout puissant et sage. Il est sujet ici de cette histoire célèbre, ce qui s'est déroulé dans la grotte. Pendant ces trois jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc caché discrètement dans cette grotte avec Abu Bakr. Et on va même vous rajouter, inshallah, certaines de ce qui s'est passé dans cette grotte. Abu Bakr, radiallahu anhu, durant toute cette émigration, elle a duré 12 jours. L'émigration du prophète a duré 12 jours, comme l'a souligné Ibn al-Qayyim dans son livre Zadul Ma'ad. Et à chaque fois, Abu Bakr radiallahu anh tournait sa tête. Il regardait devant, derrière, à droite, à gauche. Il avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait peur que quelqu'un l'atteigne d'un mal. En sachant que le prophète lui-même, alayhi salatu wa sallam, ne se retournait pas. Il avait une confiance totale en Allah, azza wa jal. Il marchait tout droit, il ne se retournait pas. Il savait qu'Allah lui avait promis le secours et la protection. Ils sont rentrés dans cette grotte. Ils y ont séjourné trois jours. Pendant ces trois jours, il y avait des scorpions dans cette grotte. Et il y avait des insectes venimeux qui étaient dans des petits trous. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, pendant que le prophète dormait, il y avait ces bêtes qui sortaient. Alors Abu Bakr les bouchait. Il bouchait les trous avec ses mains, avec ses genoux, avec ses coudes, avec ses épaules. Et il se faisait piquer, il se faisait piquer, il se faisait piquer. Il souffrait, radiyallahu anhu, et il pleurait en silence. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas réveiller le prophète, alayhi salatu wassalam, qui se reposait pour se préparer à la hijra. Subhanallah. Et après ça, al-Rawafid, les shi'a, les shi'it Rawafid, le taxent de mécréants et disent qu'il est un hypocrite, qui n'est pas dans l'islam. Qu'Allah les combatte. Cette parole qu'ils ont prononcée avec leur langue. Abu Bakr radiallahu anhu était donc avec le prophète alayhi salatu wassalam et il s'est fait piquer. Le prophète s'est réveillé comment? Il a senti les larmes d'Abu Bakr. Quand il a senti du liquide tomber sur lui, il s'est réveillé, il a vu Abu Bakr en train de pleurer. Il lui a dit, qu'est-ce qui te prend Abu Bakr? Abu Bakr lui a dit, ya Rasulallah, il y a des bêtes, je ne veux pas qu'elles te piquent. Et je les ai bouchées avec ma main et elles m'ont piqué.
Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a fait une ruqya et la douleur est partie. Grâce à Allah Azza wa Jal. Ensuite, les gens de Quraysh sont passés devant cette grotte. À un point où la grotte était au niveau du pied de l'un d'entre eux. Et Abu Bakr, en silence avec le prophète, regarde et il voit devant lui le pied des gens de Quraysh. Il dit à Rasulallah, il suffit juste à l'un d'entre eux de baisser sa tête et il va nous apercevoir. Le prophète alayhi salatu wassalam le tranquillise et il lui dit, « La tahzan, inna Allah ma'ana. Ya Abu Bakr, ou Abu Bakr, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Que dis-tu de deux personnes dont Allah est le troisième qui les accompagne ?» Le prophète alayhi salatu wassalam appelle les gens au tawhid à chaque instant, à chaque moment. Il appelle les gens à l'unicité d'Allah et à rattacher leur cœur à l'unicité d'Allah Azza wa Jal à chaque instant, à chaque moment. Il est dans la hijra. Les gens veulent le tuer. Son compagnon se fait piquer par des bêtes venimeuses. Son compagnon lui dit, ils sont là, ya Rasulallah. Et lui, il lui dit, oublie tout ça et attache-toi à Allah. Ça, c'est la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La da'wa au tawhid. L'appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. L'appel à revenir avec le cœur et les membres à Allah par la soumission totale dans toutes les situations. Tu traverses une situation difficile, reviens à Allah Azza wa Jal. Tu es dans la situation d'aisance, reviens aussi à Allah Azza wa Jal. Tu as un souci, reviens à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Lui il dit, ya Rasulallah, ils vont nous voir, ils vont nous voir. Et le prophète il pense à autre chose. Il dit, oublie tout ça. Oublie tout ça. Que dis-tu d'un homme, de deux hommes dont Allah est le troisième qui les accompagne? Allah est avec nous. Et Allah Azza wa Jal les a secourus. Et il l'a d'ailleurs cité dans le Coran. Et c'est un des mérites d'Abu Bakr. Car ici Allah Azza wa Jal dit, il dit alors à son compagnon. Et son compagnon c'est Abu Bakr. Radiallahu an. Et méditez bien le verset. Vous avez vu que le prophète alayhi salam n'a pas dit à Abu Bakr, la tahaf, n'aie pas peur. Mais il lui a dit, la tahzan, ne t'attriste pas. Et il y a une grande différence entre n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Ici, Allah Azza wa Jal a voulu nous montrer le tawhid de Abu Bakr. Abu Bakr n'a pas peur. Il est juste triste pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. Mais il n'a en aucun cas peur de quiconque. Car il est éduqué par qui? Il est éduqué par Muhammad alayhi salatu wassalam. Et vous pensez que quelqu'un qui est éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam va craindre les gens? Il ne craint pas les gens. Mais il est triste pour le messager d'Allah bien aimé. C'est pour ça qu'il ne lui a pas dit n'aie pas peur. Il lui a plutôt dit ne t'attriste pas. Ne sois pas triste. Je sais que tu es triste pour moi. Ne t'inquiète pas, Allah va nous protéger et il va nous apporter son secours. Et c'est une grande histoire dans l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Ibn Kathir rahimahullah dit que en effet Abu Bakr, compte tenu de l'attention qu'il portait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pleura au moment où les polythéistes passèrent devant eux et dit, ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux regarde en direction de ses pieds, il nous verra. Le prophète alayhi salatu wassalam le rassura en disant, que penses-tu, ô Abu Bakr, qu'il peut arriver à deux hommes alors qu'Allah est avec eux? Ensuite, il continue et dit, à l'expiration de la période convenue de trois jours, Abdullah ibn Urayqit arriva avec les deux montures que les deux hommes enfourchèrent. Abu Bakr prit en croupe, c'est-à-dire il a fait monter derrière lui, Amir ibn Fuhayra. C'était l'homme qui venait lui apporter de la nourriture dans la grotte. Puis, leur guide ouvrit la marche sur sa propre monture. Donc ici, on a trois chameaux. Le premier chameau est monté par le guide, Abdullah ibn Urayqit, qui n'est pas musulman, mais qui connaît la route. Les deuxièmes chameaux, ou les deux autres chameaux, sont derrière. Un est monté par le prophète, alayhi salatu wassalam. Le deuxième est monté par Abu Bakr, et derrière lui, Amir ibn Fuhayra. De leur côté, les chefs de Quraysh promirent une récompense de 100 chameaux
à celui qui leur livrerait Muhammad alayhi salatu wasalam ou Abu Bakr. C'est la partie arabe. وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه مئة من الإبل فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة بن مالك بن جعشم سيد مدلج فركب جواده وسار في طلبهم فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات حذرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام لا يلتفت فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض أي دخلت في الأرض فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا إلى آخر ما قال رحمه الله ابن كثير رحمه الله تعالى continue et dit: de leur côté, les chefs de Quraysh promirent une récompense de 100 chameaux à celui qui leur livrerait Muhammad et Abu Bakr, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils passèrent sur les terres de la tribu de Mudlij, donc c'est une contrée, une tribu, son chef, Suraqa ibn Malik ibn Ju'ashum, les vit. Il enfourcha aussitôt le plus rapide de ses chevaux et se lança à leur trousse. Donc, le peuple de Quraysh n'a pas réussi à attraper le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir les gens et ils leur ont dit: on vous donne 100 chameaux si vous nous attrapez un des deux. Et là les gens ont commencé à avoir cet engouement à gagner ces 100 chameaux. Parmi ces gens, Suraqa ibn Malik ibn Ju'ashum, qui n'est pas encore musulman. Et il va devenir musulman par la suite, un des nobles compagnons. Il entend qu'il peut gagner 100 chameaux. Il entend que le prophète est passé par là. Qu'est-ce qu'il fait? Il enfourche son cheval, le plus rapide, et il galope à ses trousses. Lorsqu'il se rapprocha d'eux, au point d'entendre la récitation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, qui ne cessait de se retourner, craignant pour la sécurité du messager, alayhi salatu wa sallam, s'exclama: ô messager d'Allah, voici Suraqa ibn Malik, qui nous a presque rejoint, c'est-à-dire il veut nous rattraper. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ne prêtait aucune attention à son poursuivant, invoquant alors Allah contre lui, si bien que les pattes de son cheval s'enfoncèrent dans la terre. Subhanallah. Suraqa arrive avec son cheval pour attraper le prophète alayhi salatu wa sallam. Abu Bakr lui dit à Suraqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah contre lui. Et immédiatement, il est sur son cheval, les pattes de son cheval rentrent dans la terre. Et il est bloqué, il n'arrive plus à avancer avec son cheval. Et lui, qui est intelligent quand même, il sait que c'est à cause du prophète qui a invoqué contre lui. Et vous allez voir dans la suite. Et se lança, il en faut... où est-ce que j'en suis? Suraqa s'écria alors: je sais que ce qui m'arrive est le fruit de vos invocations. Invoquez donc Allah en ma faveur et en échange, je repousserai les gens de vous. C'est-à-dire, si vous demandez à Allah Azza wa Jal de sortir ce cheval et ses pattes de la terre, ne vous inquiétez pas, je prends l'engagement de rentrer chez mon peuple et de leur dire, ils ne sont pas là, laissez-les, n'allez pas dans cette route. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoqua donc Allah en sa faveur, si bien qu'il put se libérer. En outre, il demanda au messager d'Allah alayhi salatu wa sallam de lui promettre certaines choses par écrit. Donc il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire un écrit dans lequel il va lui promettre de lui donner des choses. Et le prophète ne sait pas écrire. Et c'est Abu Bakr qui a fait cet écrit.
Abu Bakr les lui écrivit, donc sur une peau d'animal. Ibn Kathir dit: وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا فكتب له أبو بكر في أديم أي في جلد ورجع يقول للناس قد كفيتم ما ها هنا وقد جاء مسلما عام حجة الوداع ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له فوافى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده وهو لذلك أهل ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد فقال عندها أي ننزل عندها ورأت من آيات نبوته في الشاه وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول صلى الله عليه وسلم. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, continue et nous dit: Abu Bakr les lui écrivit donc sur une peau d'animal. De retour chez les siens, Suraq a dit: ce qui est écrit ici vous suffit. Puis lors du pèlerinage d'adieu, devenu musulman, il se présenta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui remit l'écrit en question. Donc, une fois devenu musulman, pendant le pèlerinage d'adieu, donc à ce moment-là, les musulmans ont pris de l'ampleur, ils ont des butins de guerre, ils ont gagné des batailles, ils ont des moyens. Suraqa arrive avec la feuille et lui dit au messager d'Allah: voici la feuille. Il demande ce qu'on lui a promis. Comme cela lui sied, le prophète alayhi salatu wassalam honora toutes les promesses qu'il lui avait faites. Sur la route de son émigration se trouvait la tente d'une femme qui s'appelle Ummu Ma'bad, sous laquelle le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fit une halte au moment de la sieste. Elle constata alors les signes de sa future mission prophétique dans le lait abondant au cours de cette année de sécheresse qu'elle put traire de sa brebis. Radiyallahu anha. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe par la maison de cette femme, la tente, pardon, de cette femme. Il fait halte dans cet endroit pour se restaurer, pour boire, pour manger. Et quand il s'arrête à cet endroit, nous sommes dans une année de sécheresse. Lui arrive, alayhi salatu wa sallam, et une grande baraka arrive. Et voici que la brebis commence à produire énormément de lait, et voici que les nourritures et les vivres commencent à augmenter de par la baraka qu'Allah Azza wa Jal a donnée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au moment où ils sont arrivés à Médine, et c'est ce que nous allons voir dans le prochain cours, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Nous arrêtons ici, wallahu a'lam. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.